Noël de 2020 à Rabat, grâce à la bienveillance des autorités marocaines, nous avons pu célébrer cette fête qui est tellement importante dans la famille chrétienne. Et je dis la famille parce que nous accueillons la bonne nouvelle de la naissance d'un enfant, de Dieu qui se fait petit enfant, de Dieu qui se fait notre frère. Alors nous étions nombreux cette nuit, enfin la nuit c'était 18h30 pour que tout le monde soit rentré chez soi à 21h bien sûr, mais la nuit c'était 18h30, ce matin c'était 11h pour fêter cette joie de Noël, de croire que Dieu se veut notre frère et nous appelle à vivre fraternellement, à construire de la fraternité. C'était l'appel lancé par le pape François qui était ici, assis ici, il y a bientôt 2 ans, à l'invitation d'Amir El Mouminin, et qui, début octobre, a invité tous les hommes et femmes de bonne volonté de par le monde, pas seulement les chrétiens, mais tous les hommes et femmes de bonne volonté, à bâtir de la fraternité, à dire que la seule vraie mondialisation qui est intéressante, c'est la mondialisation de la fraternité, où on tient compte de l'autre, du frère. Et vous savez, c'est comme dans les familles. Dans les familles, quand il y a un des enfants qui ne va pas bien, c'est celui dont se préoccupe le plus. Comment bâtir l'avenir de notre monde sans mettre à la première place ceux qui ne vont pas bien, les victimes de la pandémie, les personnes migrantes. Vous remarquerez que dans la crèche que nous avons bâtie, Jésus a pour berceau une de ces couvertures que nous aimons offrir aux personnes migrantes qui en manquent. Voilà, il est au chaud, comme nous essayons de prendre soin de nos frères et sœurs plus démunis. Beaucoup de personnes de tout genre, des chrétiens, mais des musulmans et des personnes de bonne volonté, aiment se mettre au service de leurs frères et sœurs plus démunis. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. Jésus, notre Dieu, se fait tout petit pour qu'il ne nous impressionne pas d'abord, mais qu'il ouvre notre cœur et nous donne de découvrir que ce qu'il y a de plus important dans notre être, c'est notre cœur qui nous invite à inventer de multiples manières d'aimer, d'être solidaire, de lutter contre le mal, de construire jour après jour, pas à pas, de la fraternité. Alors joyeux Noël à tous, joyeuse fête de fin d'année, Sana Saïda, fraternelle. Je ne sais pas dire fraternelle en arabe, mais vous saurez traduire à ma place.